Nécessaire de France a remis cours de cette émission. Et Michel Denisot n'est pas venu seul aujourd'hui. J'aimerais vous présenter la demoiselle qui est aux côtés de Vincent Ferniot. Et je vous demande d'applaudir Louise Denisot, qui est venue. Merci Louise d'être là avec papa. Merci Louise, tu es ici chez toi. Merci beaucoup. À Châteauroux. Tu es chez toi à Châteauroux. Carrément. Il faut savoir que Louise adore. Vous savez quoi? Louise est chef. Elle vient d'ailleurs de faire paraître un livre de recettes de cuisine. Elle fait de la télévision sur Cuisine Plus le samedi matin. Voici le livre de recettes de Louise. Et comment vous dire, elle a la fourchette à Paris, mais le couteau ici, à Châteauroux. C'est ça un peu, Louise, hein? C'est ça. Moi, bon. la région est très importante pour moi parce que c'est aussi un pays du bien manger. Voilà. C'est vrai, ça on vous le confirme depuis le début de la semaine. On ne se prive pas. Qu'est-ce que tu vas réaliser comme recette? Alors un poirat berrichon, c'est comme une sorte de chausson ou tourte aux poires. Avec un petit peu de poivre, c'est la spécificité locale. Louise vous a donné, regardez, Louise va réaliser pour vous et vous donner les trucs et astuces de sorte que vous puissiez le réaliser vous-même à la maison. Louise vous a donné son sommaire. Qu'est-ce que t'aimes dans les recettes de ta fille? Ta préférée, justement. Tiens, regarde de son livre, Ma cuisine, 80 recettes bluffantes. Ah, j'aime bien les desserts. Ça tombe bien. Ah, dis donc! Ça, ouais. Alors là, c'est incroyable. Alors dis donc, incroyable. On entend drôlement bien, là, pour le coup. Lequel? Le poirat, par exemple? Le poirat en fait partie, mais il y en a d'autres. Comme? Pardon, le poirat n'est pas dans le livre. Le poirat est dit complètement. Non, non, mais celui cherche le nom de, avec la meringue. Ah, la pavlova. La pavlova, voilà. Ah, ça marche très fort, ça, en ce moment, t'as vu? Très bien. La pavlova revient. Ouais. C'est moins berrichon, quand même, la pavlova. Oui, oui, mais Louise la fait très bien, et ça a l'air très facile quand elle le fait. Et... Mais c'est très bon à manger, il faut lui laisser faire. Voilà. C'est ça. Louise, raconte-nous, qu'est-ce que tu nous prépares? Louise Denisot fait un recette aujourd'hui. Le poirat berrichon. Un chausson aux poires. Exactement. Hein, une sorte de chausson aux poires. On a remplacé les pommes par des poires. Et on va commencer par vous montrer comment on fait la pâte, qui est une pâte brisée. Alors nous, on l'a fait à la pâte brisée, enfin nous, dans la famille, depuis plusieurs générations. Mais ça peut aussi se faire avec de la pâte feuilletée. Mais nous, on est très pâte brisée à la maison. Puis c'est plus rustique, la pâte brisée. Oui, moi j'aime ça. Hein, que ce soit pour le poirat ou pour le pâté berrichon, qui est notre spécialité locale. Alors, du beurre, hein, des fois que ça manquerait. Alors, du beurre dans la farine directement. Directement, et on va mélanger du bout des doigts. Mais en y allant franchement quand même. Oui, tu le travailles comme une pâte sablée. Voilà, au départ, il faut que ça ait une consistance un peu sablée. Et ça va se lier ensuite avec un peu d'eau et un œuf, ce qui n'est pas obligatoire. Mais non plus. Non plus. Enfin, il n'y a rien d'obligatoire. Rien n'est obligatoire. Ah, c'est-à-dire qu'on pourrait mettre les poires directement dans l'assiette. Mais non, on va quand même faire... C'est ça que j'aime cuisiner. On va faire quand même une pâte brisée autour. Vous avez des poires? Vous avez du sucre? J'adore que ça soit toi qui le fasse. Parce que ça, d'abord, parce que tu as de belles mains. Et ensuite... Parce que moi, j'aime pas trop que ça me colle aux doigts. Je te rappelle que son père te regarde. Hein. Tu te calmes. Oui, je me calme tout de suite. Alors, dis-moi, lorsqu'on fait ça, on a l'impression que ça va vous rester aux doigts pendant la journée. Mais il faut savoir que dès qu'on va mettre de l'eau dedans, ça va s'agglomérer. C'est ça qui est magique. Hein. On va pouvoir faire une boule. Oui. Voilà. Et avec l'œuf aussi, c'est une petite sécurité en plus, l'œuf. C'est pour ça, c'est pas obligatoire. Tu commences par l'œuf ou tu commences par l'eau, toi? Alors, je commence par l'œuf. En général, je fais un petit puits au milieu. Hop, et je veux bien que... ça soit moi. Voilà. Alors, je vais reposer ma petite caméra, ma petite faluche. Je la récupère, ma caméra. Tiens-moi le micro plutôt. Remarque, cela dit, je ne vais pas énormément commenter le cassage de l'œuf. De toute beauté. Superbe. Ah non, mais une aisance avec l'œuf, un truc des années de travail. Et puis... Seul. Oui, et un tout petit peu. Voilà. Si je peux éviter de mettre les coquilles dedans. Et puis un tout petit peu. Un seul. Okay. Et un petit peu d'eau. D'accord. Comment elle te prend par l'oreille? Profitez de cette image. Si je pouvais remonter l'image, je vous le montrerai. Voilà, merci beaucoup. Hop. Un petit pitch d'eau à l'intérieur. C'est du jamais vu à Midi en France. Eh Louise, je crois que je vais t'embrasser tout de suite. Attends, Lolo, attends, je te demande. Voilà, regarde bien, la touillette à un doigt. Très connue dans le Berry, la touillette à un doigt qui permet d'agglomérer. N'est-ce pas? Voilà, alors là en fait, tu as mélangé l'eau à l'œuf. Voilà, j'ai mélangé l'eau à l'œuf, on peut le faire dans un petit bol à côté ou directement dans la cheminée. Et ta grand-mère, elle mettait de l'œuf, elle? Non, elle n'en mettait pas. Tiens, j'étais sûr. Il y a un truc. Non, je vais me dire. Attends, deux secondes, continuez. Regardez l'œil de Michel Denisot attendri sur sa fille. Je te jure, il la regarde. Je ne sais pas. Michel, c'est formidable ce regard. Ouais. T'es ébahi, hein. Tu dis, mais c'est incroyable. C'est admiratif, ouais. Pareil. Et... Vas-y, continue, pardon. Tu cuisines, toi, un petit peu, Michel? Ouais, 2-3 trucs, ouais. Ouais. Les œufs durs. Des pâtes. Des rillettes. Des rillettes, ouais, je fais des rillettes. Tu fais des rillettes. Des rillettes au Vouvray, ouais. Attends. Ah, mais ça, c'est magique. Bouge pas, la confrérie du cochon est devant toi, quand même. Je fais partie de rien dans la vie. J'ai fait partie d'un truc, c'est la confrérie des amateurs de fromage de tête, qui a été dissoute suite à une soirée agitée, avec Gérard Depardieu, d'ailleurs, et Jean Carmet à l'époque. Oh bon. Et c'est la seule chose dont j'ai fait partie dans ma vie. Et donc, les rillettes, par ailleurs, donc je les fais, oui, pendant les vacances. Ah mais c'est une cuisson très très longue. Hein. Ça prend 24 heures. Voilà. Enfin, moi ça me prend 24 heures. Ouais. Les morceaux de porc fondent entièrement. Faut que ça macère pendant 12 heures dans le Vouvray. Et c'est trois. Ah tu les fais à la Tourangelle. Voilà exactement. C'est une recette qui vient de Tours. Et ça fait un délicieux parfum d'intérieur. Attends. Moi j'en ai bien pour ça. Non mais si quand tu refais ça, je t'en envoie. Ah bah ça marche. Et ce qui est magique, c'est que pendant ce temps-là la pâte s'est faite. Oh mais quelle pétrie, elle pétrie, et l'art de. Regardez ses doigts, la dextérité, c'est exceptionnel. Franchement. Donc on rajoute un petit peu d'eau au fur et à mesure pour ajuster la consistance. D'accord. Bon, si vous ne savez pas faire comme Louise ou comme Vincent Ferniot, regardez ce que je vous offre aujourd'hui. Michel, Louise, ta fille, que tu vas regarder avec des yeux d'amour, nous prépare donc ce poireau aujourd'hui. Oui, alors on a terminé la pâte. Je suis crevé, moi. Non, mais bien pétri, mais pas trop, parce que sinon après elle est élastique. T'as raison, et il faut pouvoir l'étaler bien. Exactement. Alors, donc maintenant on s'attaque à quoi? Aux poires? Les poires. Ah oui, alors on a pris quoi comme poire, Louise? Alors là, c'est des conférences. Tu sais qu'il y a des poires qui s'appellent évidemment les Louise Bonne. Oui, je sais. Évidemment. Tu préfères prendre des conférences? J'aime bien les Louise Bonne aussi, mais les conférences se prêtent très bien aux poiras. Mais surtout, il faut prendre celles qu'on a dans son jardin si on a la chance d'en avoir. Ouais. Quelle que soit la variété, on s'en fiche. Ouais. Là, on est un peu tard en saison, mais, oui, mais quand c'est possible. Ça tient bien, c'est un peu comme les pommes, hein, elles se tiennent bien si on les garde au cellier. Enfin, exactement, bien ça se garde long. Séparées les unes des autres. Donc, on a des belles poires. Il faut les éplucher et les couper en fin quartier après les avoir épipinées. Donc on est deux, je me disais. Donc d'accord. Donc, merci bien sûr. Voilà. Ok, bah, je bosse moi, il n'y a pas de problème. Je préférerais un économe parce que je suis pas très doué pour l'épluchage. Ah bah alors sinon je fais moi-même. Ah bah vas-y. Hein. Non, il va bosser un petit peu, ça va pas de problème. Changer. Et donc ces poires, on va les couper en fin quartier, les arroser d'un tout petit peu de sucre. Il n'y a pas besoin de beaucoup parce que c'est déjà bien sucré les poires. Un petit peu d'eau de vie de poire, mais c'est facultatif. Mais surtout, un petit tour de moulin à poivre, c'est ça qui est vraiment particulier à la recette d'ici. Du poivre noir. Du poivre noir, oui. 2-3 petits tours de moulin à poivre, ça change tout. Alors, il faut savoir que le poivre, ça marche très bien sur certains fruits et notamment les. Alors, moi, je mets souvent du poivre blanc sur les fraises. Qui vont révéler un petit peu les arômes fruités, justement, ça apporte un petit côté épicé. Alors, il s'agit pas. C'est un exhausteur. C'est pas comme sur un steak, hein. Tu mets pas carrément 100 grammes de poivre au kilo de viande. Non, là, c'est juste un adjuvant, quoi. Hein. Oui, l'idée, c'est qu'on se rende pas forcément compte, d'ailleurs, que c'est poivré. C'est juste que ça relève un petit peu, juste comme il faut. Ouh là là, le papier s'envole. Clac, 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 clac. Vas-y. Merci. Je suis très aidée là. Oui, bah oui. Qu'est-ce que tu veux? Regarde, j'en ai fait une moitié parce que c'est pas. Si tu veux, c'est pas vraiment que j'ai la flemme. Non, mais avec le micro, c'est pas facile. Mais j'ai un micro à main, t'as remarqué, hein. Ouais. Bon, excuse. Bon, donc, attendais pas du tout. On fait des fins quartiers. Ah oui, c'est des petits morceaux. Des petits morceaux. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça compote un peu dedans. Alors, il faut qu'on puisse mettre pas mal de poire parce que ce qui est bon, c'est quand le chausson est bien garni, n'est-ce pas? Bah oui, hein, bien sûr. Et il y a du pied dans la chaussette, comme on dit. Donc, on coupe en petits morceaux pour faire une belle masse de fruits. Et quand on fait de fin quartier, ça a tendance à retomber un petit peu à la cuisson et ça fait une farce qui est bien confite à l'intérieur. On peut faire des petits cubes aussi. Tu as compris, Vincent? Tu me notes tout, tu me répètes tout à l'heure. Tu rigoles, mais je suis d'une concentration, là, comment te dire? Vous avez remarqué aujourd'hui, c'est Louise Denisot qui est venue avec son papa Michel Denisot des Castel Roussins, pur et dur, et qui supporte tant sa ville depuis tant de temps. Pendant ce temps-là, Louise est en train de moudre. Elle moud du poivre. Regardez, c'est l'auguste geste de la mouleuse. Attention. Voilà, on peut sucrer les fraises, on peut sucrer les poivres. T'as raison, on peut sucrer les fraises, mais en attendant de sucrer les fraises, beaucoup plus tard, tu mous du poivre. Et exactement. Bien. Alors un petit peu de poivre, et là tu rajoutes quoi? Un peu d'eau de vie de poire. D'accord. Donc ça c'est complètement facultatif, une petite goutte. Et puis si c'est pas de la poire, on peut mettre du calvados ou ce qu'on a sous la main. Alors allons-y, Gaëmon. Donc avec grande modération, bien entendu. Oui, hein, c'est juste pour donner un petit goût. Oui, ça force un petit peu. C'est encore un exhausteur de goût pour le goût de la poire. Voilà. Et c'est un dessert qui est très peu sucré. C'est ça aussi que j'aime bien. Ah ouais. Avec vraiment le fruit et le poivre. Tu le disais, hein, la poire, elle est sucrée naturellement, beaucoup plus sucrée que la pomme. Oui. Hein, ouais. Donc effectivement, on n'a pas besoin de rajouter. T'as mis quand même un petit peu de sucre en poudre. Un tout petit peu de sucre, mais c'est pour créer un petit manteau qui va envelopper les poires pour que ça confise bien. Pour que ça fasse un petit sirop à l'intérieur du chausson. Il y a un tout petit peu de jus de citron aussi pour pas que les poires noircissent. Et c'est pareil, ça va créer un tout petit sirop. D'accord. Une fois que t'as fait ça, t'as ta pâte qui est étalée. Ça, c'est magique. Donc elle a reposé 1 heure, parce que ça, je l'ai pas dit, au frais. Ouais. Ensuite, on l'étale sur une épaisseur fine, voilà 5 mm, même moins que ça. Et on peut lui donner la forme qu'on veut. Alors, traditionnellement, on fait 2 abaisses de pâte et on fait une tourte. Comme une galette, quoi. Comme une galette, exactement. Mais chez nous, on faisait souvent un chausson ou même une plaque entière du four, vous voyez, une grande plaque de pâte, et puis on recouvre par-dessus. Là, je vais faire un chausson. Bah oui. Du coup, tu as un peu beaucoup de poire, là, non? J'en ai pas mal. Je peux en garder un petit peu aussi à manger comme ça. C'est très bon. Ah oui, non, alors là, je n'en doute pas, mais je me disais, il faut quand même arriver à souder les bords du chausson. Oui, oui, oui. Il faut qu'il soit bien garni, mais il ne faut pas non plus trop en rajouter, parce que sinon, on ne peut plus le fermer. C'est comme un gros ravioli, hein, un chausson. Oui, c'est un peu ça. Hein, il faut toujours laisser l'espace pour souder le bord. Exactement. Regardez, non, mais c'est important à la proportion, parce qu'évidemment, ça va venir par-dessus, mais regardez ce que fait Louise. Elle laisse tout autour un espace qui permettra de souder le bord, sinon... tout le jus de poire et tout le sucre qui se trouve à l'intérieur va s'échapper à la cuisson. Et alors, ce qu'on veut, c'est que ça soit bien enfermé dedans. Donc, ce qui me reste de poire, si j'en ai trop, je le garde. Je peux le faire cuire aussi comme une compotée dans une sauteuse à côté. Ça sent bon, hein. Oui, ça sent tout. Ou bien tu peux les donner à Nathalie. Oui, Nathalie qui goûte fort l'alcool de poire, hein, c'est ça? Non, mais j'ai jamais essayé. Le poivre sur les poires, j'ai jamais goûté. C'est un exhausteur, tu vas voir. D'ailleurs, les amis, je prends ça pas toujours les cons, c'est comme ça. Louise Denisot, la fille de Michel, réalisait sa recette parmi un livre de recettes bluffante et sans stress. Hein. C'est-à-dire qu'on peut se les faire tranquille, comme tu as réalisé la recette là, en 55 minutes. Hein. Bah, l'idée, oui, c'est que ce soit un bon moment, que ce soit plutôt rigolo à faire et à manger et pas compliqué. Ouais, c'est ça, hein, c'est le truc. Hein. Ouais. Et là, on l'a vu, c'était assez facile quand même, cette affaire. Ouh, quand même, hein, y a un doigté. Ouais. Il y a des recettes que tu fais le samedi matin. Qui se faisait. Hein, oui, alors c'est des recettes et aussi de l'actualité sur la cuisine. Ça s'appelle le magazine de la cuisine. Le magazine de la cuisine. Voilà, pour tout savoir ce qui se passe dans les casseroles. Ouais. Petit récap recette de ce qu'a préparé Louise. Il me semble. Alors Louise, si je me fourvoie, tu me remets dans le droit chemin, bien entendu. Hein, regardons ensemble. Cette pâte brisée, on commence à travailler du bout des doigts, hein, pour avoir ce côté sablonneux un petit peu, avant d'y ajouter un peu d'eau. Et avant d'y mettre un œuf, qui est une sécurité, tu dis toi, hein, Louise. Voilà, c'est ma ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité de la pâte brisée. Ensuite, on épluche les poires. On prend des conférences qui sont des poires qui sont bien fermes et à la fois sucrées. Et on va en faire des petits quartiers, c'est-à-dire qu'on va les émincer largement. Là, c'est l'œuf pour la dorure. Et dans les poires, on met du sucre en poudre. On met un bon coup de moulin à poivre noir. Et ça, c'est le truc berrichon. Et de l'eau de poire, un peu d'alcool de poire, qu'on va laisser macérer un moment. C'est dans cette pâte, sur cette pâte brisée qui a été bien abaissée, que l'on met notre mélange de poire, d'eau de vie de poire et de poivre avec un peu de sucre. Et on va refermer. On va refermer et on va chiqueter avec une pince à chiqueter ou avec les doigts. C'est-à-dire qu'on va fermer les bords et bien les pincer de manière à ce que tout le jus reste à l'intérieur. Il ne reste qu'à dorer à l'œuf, de l'œuf entier simplement battu. On dore et ensuite on fait une petite cheminée. Avec un petit papier roulé, comme un petit carton roulé qui va servir de cheminée pour que la vapeur d'eau puisse s'échapper sans faire trop gonfler le chausson. Il ne reste qu'à faire cuire au four à 180 degrés pendant combien de temps environ? 40 minutes, 40-45 minutes. Et voilà, il y a plus de déguster. Si c'est beau quand même. Il est magnifique son poire à recette typiquement berrichonne. Je peux dire que ça sent bon. Hein. Michel Denisot, on a évoqué ton actualité débordante. En ce moment, on va présenter des 2 amis qui sont à ses côtés dans un instant. Cela dit, on n'a pas trop parlé de Vanity Fair, dont tu es le directeur de la rédaction, avec le fameux Vanity Fair sur lequel il y a Clint Eastwood en couverture qui sort aujourd'hui. Dernier numéro, ouais, c'est le 20e numéro. Ouais, donc ça marche fort, hein. Ouais, ça marche bien. Le Vanity Fair américain existe depuis 1 siècle. Nous, on existe depuis même pas 2 ans, bientôt 2 ans. Et c'est vrai que c'était un long cheminement avant de lancer le magazine, qui est une marque forte, et le groupe Condé Nast ne voulait pas prendre de risque de rater. Donc il y a eu beaucoup de numéros zéro avant de démarrer, et aujourd'hui on est à 100 000 exemplaires de vente par mois, donc ce qui est au-dessus des objectifs. Donc ça marche bien, mais là aussi je suis entouré d'une très bonne équipe avec Anne Boulay, Hervé Gattegno, Virginie Mouza, etc. On les salue. Bravo en tous les cas, Michel. Vous avez compris, Michel Denisot, le Castel Roussin, qui parle avec tant d'amour de sa région, qui a dirigé le club ici. Et je vois que tu as deux amis qui sont venus goûter, Michel. Mais ouais, qui sont les vrais patrons du club. C'est Thierry Schoen qui est le président et Bruno Alec qui est président délégué, voilà, et qui seront à Guingamp ce soir aussi. Ils sont les affamés, dis donc. Merci messieurs, hein, parce que regardez, j'ai quand même eu mon maillot ce matin. Ils l'ont fait floquer directement. Badaboum, merci. Et les couleurs de la Vierge. On a déjà un boyer qui va jouer ce soir sûrement. Et exemple, voilà. Allez-y, vous pouvez goûter, messieurs. Merci beaucoup, Michel Denisot. Merci, Louise Denisot, de tous ses talents. On met tout sur france3.fr, évidemment, et sur le Facebook officiel de Midi en France. Castel Roussin, vous pouvez applaudir celui qui fait briller votre ville depuis tant de temps. Michel Denisot et Louise Denisot, le père et sa fille, aujourd'hui pour Midi en France. Vous savez quoi, c'est l'heure. Regardez la photo ici, et évidemment le sourire de France. Il est bientôt midi en France.